Bien. Bonsoir à tous. Alors, on va démarrer cet hommage à Sadek Hadjiress, qui le mérite bien. Je dirais juste un mot rapide, sans m'étendre, sur le fait qu'il était prévu dans un premier temps au Centre culturel algérien et qu'il n'a pas pu s'y dérouler. Nous le regrettons vivement. Nous avions des rapports courtois avec sa direction et avec, surtout avec son personnel, qui fait des choses intéressantes. Et nous regrettons, mais nous avons trouvé un autre lieu fort accueillant, qui est l'École normale supérieure, pour tenir cet hommage à Sadek Hadjiress. Donc, je ne vais pas être long dans cette introduction, puisqu'il y a plusieurs intervenants, et nous avons prévu aussi de projeter des films. Hein. Donc, je voulais remercier l'ENS, bien entendu, de nous accueillir dans cette salle. Le Maghreb des films, qui a soutenu cette initiative. Virtuelle Production, et tout particulièrement François de Merliac, qui s'est occupé d'un peu tout dans l'organisation des choses et qui filme, a organisé le filmage de cette rencontre et qui en fera un montage que nous pourrons mettre sur différents sites, dont le site Place Audin, dont il s'occupe. L'association Josette et Maurice Audin est également soutien de cette soirée, et elle l'a annoncé. Histoire coloniale, l'association Histoire coloniale et postcoloniale, dont vous avez des petits papiers qui vous la présentent sur la table. La bibliothèque Centre d'archives La Contemporaine, qui se trouve à Nanterre, dans un nouveau beau bâtiment au métro RER Nanterre Université, et qui est la continuation de l'ABDIC. Et les responsables des archives audiovisuelles et des archives papier, je ne les vois pas, mais ils se sont annoncés et ils nous rejoindront. Donc, qui représenteront La Contemporaine et que je remercie. Et puis les cahiers d'histoire, la revue Les Cahiers d'Histoire. Anne Jollet était dans le coin tout à l'heure. Elle est là et elle a demandé à pouvoir filmer les choses. Et la revue rendra compte d'une manière ou d'une autre de cette initiative ou des publications dont on va parler et qui concernent la vie de Sadek et ses engagements. Voilà. Alors, les intervenants sont nombreux. Il y en a 6 ou 7. Hein. Je les énumère très vite, en commençant par Aliki Papadomikelaki, qui est donc la compagne de Sadek et qui dira quelques mots à la fin. Hein. Le plus possible, à mon sens, parce que sa parole est forte et fort utile et intéressante, comme elle voudra. Nous aurons également Malika Rahal, donc, qui est l'historienne que vous connaissez, IHTP, CNRS, HDR, et qui est aussi l'autrice de plusieurs livres sur cette période qui a été celle de la vie de Sadek, hein, et qui a aidé à publier le premier livre de Sadek, « Quand une nation s'éveille », sur la période 1928-1949, qu'elle a annotée et préfacée, ou postfacée, plus exactement. Voilà, alors elle sera en visio. Bon. Donc, elle interviendra un peu plus tard dans le déroulé de la soirée. Je dois remercier aussi Ali Guenoun, qui est à ma gauche et qui avait participé, j'y reviendrai, à des enregistrements d'entretien avec Sadek au titre de ce qui s'appelait la BDIC à l'époque et ce qui s'appelle La Contemporaine maintenant. Donc Ali Guenoun,
Je présenterai peut-être plus, ou ils se présenteront eux-mêmes quand ils prendront la parole, hein, les différents intervenants. Alain Ruscio, qui est ici même et qui a travaillé, comme vous le savez, sur plein de choses, mais notamment sur les communistes et l'Algérie, hein, avec un gros ouvrage important. Michel Audin, fille de Josette et Maurice Audin, fille aînée, on reviendra sur son témoignage, qui croise certains souvenirs qu'avait Sadek. Voilà. Et qui est l'autrice d'un livre, Une vie brève. Nous devrions avoir aussi le cinéaste Oka Chatwita. Je ne sais pas s'il est arrivé et s'il est présent, parce qu'on va passer... Bon, non, me fait signe, Gérard Vaugeois. On va passer quelques minutes, un extrait de son film Opération Maillot. Opération Maillot se rapportant à cette organisation du détournement d'armes réalisée par Henri Maillot et organisée par Sadek Algérès. Bon, on y reviendra. Donc, Oka Chatwita, merci à lui pour nous avoir autorisé à passer cet extrait de son film. Et également... Khaled Galinari, alors je ne sais pas s'il est présent, c'est vous, excusez-moi, on s'était même salué tout à l'heure. Alors Khaled Galinari, qui avait travaillé avec Sadek, notamment sur le site internet Social Géris, si je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça. Bon, et qui pourra aussi, pour évoquer le combat de Sadek dans l'Algérie indépendante, parce que dans son combat, il y a la première phase, hein, depuis ses années de lycéen, où il est devenu un partisan de l'indépendance algérienne et où il a rejoint le PPA. Et puis après, il rejoint le PCA. Et puis après, il y a l'Algérie indépendante. Bon, et c'est une autre page qu'évoqueront Aliki, notamment Malika Rahal en visio, et vous-même, puisque Social Géris, ça se situe dans cette période-là. Hein. Voilà. Donc, on va passer quelques images qui ont trait au travail que la BDIC, donc la contemporaine, ça, c'est la rencontre qu'on avait faite à... Où on voit Sadek. Lors d'une rencontre organisée à la BDIC, ça s'appelait comme ça à l'époque, autour de Hossi Naït Ahmed, que l'on voit également, auquel, encore une fois, il avait participé, avant qu'on en fasse une avec lui et autour de lui, après avoir enregistré de nombreuses heures, une centaine d'heures d'entretien avec lui. Ces enregistrements ont été faits par Ali Guenoun, qui est ici présent, et filmé par Rosa Olmos, que l'on remercie d'être présente et puis d'avoir fait ce petit montage. En mai 2012, on avait fait une journée à l'Université de Nanterre, et voilà, auxquelles participaient les collègues que l'on voit mentionnés ici. Il y avait René Galissot, il y avait Alain Ruscio, Sylvie Thénault, Marie-Claire Lavabre, Omar Carlier également, qui nous a quittés aujourd'hui. Bon. Donc, voilà pour sur quelle base, en quelque sorte, Ali, moi-même, nous présentons le parcours de Sadek, en quelque sorte. Je vais passer la parole à Ali Guenoun, qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « La question kabyle dans le nationalisme algérien 1949-1962 aux éditions du Croquant ». Un ouvrage que je vous recommande. Et 49, il commence en 49, cet ouvrage, avec ce qu'on a appelé bien abusivement la crise berbériste, et qui était plutôt une crise démocratique, nous dira Ali dans son intervention. Mais je lui laisse la parole. Merci Gilles. Je pense que c'est bon. Merci à tous les présents. Comme vous savez, il n'est pas du tout facile de
résumé le riche parcours de Sadr Hajres en un laps de temps court. Je pense que j'ai 15 minutes à peu près. Voilà. Voilà. 10-15. Voilà. Encore. Voilà. Je vais donc me restreindre à quelques points qui me semblent méconnus ou peu mis en valeur du parcours de Sadr. Permettez-moi tout d'abord d'évoquer en premier lieu comment j'ai connu Sadr. C'est très important pour un jeune historien algérien comme moi qui débutait ses recherches sur des moments de crise dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. En fait, je l'ai rencontré à sa sortie de clandestinité, je pense en 1989, au siège provisoire du Pax à Alger. Et il n'a pas hésité une seule fois à me répondre positivement pour un entretien sur la crise de 1949, alors que plusieurs autres militants, qu'ils soient kabylophones ou arabophones, m'ont fermé leur porte. L'évocation du nom d'un de ses camarades de 49, Deït Amran, qui m'a recommandé auprès de lui, a certainement été pour quelque chose. Malheureusement, la crise que traversait le Pax l'a éloigné du pays. J'ai repris contact grâce toujours à Deït Amran avec Sadr. Et j'ai correspondu par courrier. Donc, je lui envoyais des questions et il me répondait par écrit. Jusqu'à notre deuxième rencontre en juin 1998 à Paris. Et pourquoi je dis tout ça? Parce que Sadr était contre la rétention d'informations ou de documents qu'on rencontrait. Et c'est extrêmement important pour l'historien. Je l'ai interviewé longuement, seul, et aussi avec Gilles, ici présent, comme il l'a souligné tout à l'heure, après mon installation en France à partir de 2000. Sadr était un homme de 100 ans. Sa vie, du moins politique, est secouée par plusieurs moments de crise et de rupture. De père instituteur, il était privilégié parmi les millions d'Algériens déshérités qui avaient souvent faim. Privilégié aussi parce qu'il a pu aller à l'école sans se soucier des problèmes matériels, comme par exemple, comme l'était Mouloud Feraoun, et d'autres. Privilégié aussi parce qu'elle a baigné dans plusieurs cultures, kabyle par sa famille, et ses pérégrinations entre la ville ou les villes et son village de Thedderth Bouadda, l'Arbane Thirath. Française, j'ai dit donc kabyle, française, par l'école et le père qui était lecteur, entre autres, de la voix des humbles, de l'école libératrice, du Djurdjura à travers les siècles de Boulifa, ou le feu d'Henri Barbus. Arabe et musulmane par sa mère, Fatma Ait Rachid, issue d'une famille de lettrés coraniques qui a tenu à suivre sa scolarité à la Médersa. Les différentes affectations de son père, donc il a sillonné un petit peu les hauts plateaux, à savoir Taguine près de Ksar Chilala, Brouagia, l'Arba Bni Moussa. Donc c'est les différentes affectations de son père en dehors de la Kabylie lui ont permis, enfant ou adolescent, à s'ouvrir vers d'autres cultures et d'autres communautés arabophones, juives, européennes, etc. Sadr est aussi un homme d'une génération qui s'est distingué par une rupture profonde avec leurs parents
et leurs aînés. Quand je parle des aînés, je parle aussi dans le parti, des militants, des cadres du parti. Elle a fait partie de ces jeunes Algériens scolarisés qui ont connu, premièrement, la Seconde Guerre mondiale, le débarquement des Américains et des Anglais en 1942, les massacres de mai 1945, qui ont montré les limites du réformisme. Et Sadak intègre le lycée de Ben Aknoun, où il se familiarise très rapidement avec d'autres élèves algériens et adhère au parti nationaliste indépendantiste clandestin, c'est très important de le souligner, qui était donc le PPA, après avoir animé en 1943 le groupe SMA, les scouts musulmans algériens, de l'Arba Ben Moussa, et il devient très rapidement le chef du district des SMA de l'Est Mitiga. C'est dans ce lycée de Ben Aknoun, de la banlieue d'Algéroise, qu'il commence à réfléchir en groupe avec ses camarades, à savoir Mohandi Diret Amran, que j'ai évoqué tout à l'heure, Ali Laïmèche, mort en 1946, Aïch, Chiban, Omar Ossidik, Ould Hamouda et d'autres. Donc, il réfléchissait en groupe sur la situation de l'Algérie et de son avenir. Les noms de ces jeunes et leur rôle dans la libération du pays étaient jusqu'à une époque récente gommés des tablettes du roman national que l'Algérie indépendante voulait écrire. L'arrivée de ces jeunes militants instruits dans le parti radical, donc le PPA, était vécue comme une bouffée d'oxygène par les militants plébéens qui formaient la majorité des effectifs du PPA. Sadak et ses camarades étaient des précurseurs dans l'implantation de leur parti dans plusieurs localités du pays. Certains étaient membres du comité central, du bureau politique, dirigeants de l'OS, Aït Ahmed dont l'a évoqué tout à l'heure, de différentes sections des scouts et des élus au sein de l'association des étudiants musulmans de l'Afrique du Nord. Ils étaient au fait de la gestion de leur parti dont ils décriaient la méthode. Influencés par les idées des Lumières et des expériences des autres mouvements indépendantistes européens et asiatiques, ont profité de l'expérience de leurs aînés dans l'immigration dans l'étoile nord-africaine. Sadak et ses camarades ont mené une fronde contre leur direction, ont mis en cause les pratiques antidémocratiques, ont refusé la définition arabo-islamique exclusive de l'Algérie et ont essayé d'imposer le pluralisme culturel en mettant en évidence la profondeur historique berbère de l'Algérie. Le problème, c'est que, justement, c'est en voulant engager un débat sur la situation de leur parti et de la définition de l'Algérie qu'ils ont été exclus du PPMTLD comme déviants, berbéristes, et donc, pour l'époque, antinationalistes et alliés objectifs du colonialisme. C'est ainsi que le parti les a décrivés. Sadak était aussi un homme de réflexion sur sa propre société et son devenir. Pour peser sur le débat verrouillé par les tenants de la direction et expliquer leurs idées, Sadak et ses camarades, en particulier Yahya Hannin, Mabarouk Belhoussin et d'autres, Saïd Bouzar, ont co-signé sous le pseudonyme d'Idir Louatani la brochure « L'Algérie libre vivra ». Le titre, c'est en réponse à « L'Algérie vivra-t-elle » de l'ancien gouverneur général, voilà, Violette. Ce texte, publié en juin-juillet 49, au moment de la crise, avait pour objectif de répondre à l'accusation de berbérisme dont il faisait l'objet. Les idées qu'ils y ont dépliées
reste d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, d'actualité. L'Algérie libre vivra est le texte algérien, à mon avis, le mieux abouti sur la définition de la nation, mais aussi sur les moyens de parvenir à l'indépendance du pays, en privilégiant la diversité ethnique, culturelle et religieuse de l'Algérie. Dans cette perspective, leur référence à l'histoire dans la longue durée et à la culture berbère n'était, en réalité, qu'une des conséquences impliquées par leur attachement à des idéaux et à des pratiques démocratiques. Il faut dire aussi que la construction identitaire élaborée par des hommes de religion, les ulama, pour définir l'identité algérienne, arabe et musulmane, de même que la ventilation des composantes ethniques de l'Algérie en arabe et berbère, faites par les idéologues et administrateurs coloniaux, repose sur des falsifications historiques. Pour les rédacteurs de Idir Louatani, l'Algérie libre vivra, ils ont opté pour une définition en fait ouverte, inclusive et inscrite dans la longue durée. L'Algérie indépendante est envisagée dans ce contexte comme un État démocratique garantissant les libertés individuelles. Dans leur définition de la nation, ils se démarquent de la conception très répandue chez les nationalistes et les ulama. Ils soulignent que le concept d'une nation moderne est un concept tout à fait récent et s'interdisent de confondre nation et État. La nation est définie comme une communauté, je le cite, d'individus constitués par les événements historiques. Ils empruntent tout au long du texte la définition de la nation à Ernest Renan et aux philosophes français qui voient la nation comme un plébiscite quotidien. Ils s'opposent aux arguments à la conception, plutôt ils s'opposent avec argument à la conception allemande et du courant romantique allemand dont les idées ont inspiré les islamo-populistes du PPM-TLD et les réformistes musulmans des ulamas qui défendaient plutôt une approche organique du fait national. Les rédacteurs ne citent à aucun moment les ulamas et les islamo-populistes auxquels ils n'empruntent jamais leur concept, par exemple celui de l'Umma, la nation. La nation, selon la définition dite allemande, est le produit d'une certaine culture, le partage d'une même langue, la possession de semblables racines ou d'un même rang, d'un même sang. Elle repose, selon eux, sur des traits communs naturels acquis dont l'individu ne peut se défaire, à savoir la langue, la race, le sang, la culture, la coutume, la religion, etc. Pour les partisans de cette conception, l'idée et l'identité, la nation, sont des éléments figés. Contrairement à eux, les rédacteurs de l'Algérie libre vivra pensent que la nation est plutôt dynamique et non statique. Et quel est le résultat, je les cite, d'impact tacite qui demande chaque jour à être renouvelé. La nation ne suppose pas pour eux ni communauté de race, ni de religion, ni de langue. Ils ne croient pas une race pure, ils ne voient pas de nation qui ne compte pas de groupes, je les cite, ethniques différents. Pour eux, ceux qui ont soutenu des théories raciales ne l'ont fait que pour justifier leur action après coup, hein, sans croire à la rigueur scientifique de leur thèse, ou bien ils étaient aveuglés, je les cite toujours, par un chauvinisme démesuré. Ils s'étonnent de voir des gens mettre en avant le facteur religieux pour définir une nation, alors que, je les cite, l'existence
de plusieurs religions dans un pays, hein, n'empêche pas du tout celui de se développer en nation si l'on a les facteurs suffisants. Même s'ils reconnaissent que la religion est un facteur parmi d'autres qui ont contribué à forger le caractère national des Algériens, ils mettent en garde contre la confusion entre le nationalisme et le sentiment religieux. C'est, à mon avis, là une conception laïque du nationalisme qui se démarque de celle des populistes du PPA, MTLD, des oulémas. Cette brochure est le premier texte écrit par des nationalistes qui défendent explicitement la diversité culturelle. La nation, écrivent-ils, pour bien se développer, alors que les habitants qui la constituent parlent des langues différentes et citent le cas des pays bilingues ou multilingues comme la Belgique, la Suisse, la Yougoslavie. Ils vont, pour la première fois de l'histoire de l'Algérie contemporaine, revendiquer le développement des langues et des cultures populaires, donc le tamazight et l'arabe dialectal, en Algérie. Comme pour montrer les limites de la thèse arabiste qui dit que la nation arabe existe là où on parle arabe, ces militants font le parallèle avec la théorie pan-germanique qui prétend que la nation allemande se trouve partout où se parle l'allemand. Est-ce que j'ai deux minutes ? La nation est définie dans cette brochure comme une combinaison de plusieurs indices. Ces éléments, je les cite, absolument indispensables, sont quatre. Donc le territoire, l'économie, le caractère national et le culte d'un même passé et le souci d'un même avenir. Il se démarque de la conception de Bismarck et adopte celle de Mazzini, qu'il trouve large et féconde, qui essaie d'englober les aspirations des éléments qui composent la nation et de les faire épanouir en les réalisant toutes. La nation algérienne existe, et c'est écrit en grand, souligne-t-il. Pour le démontrer, il s'appuie surtout sur deux éléments importants, le caractère national et le culte du passé et le souci d'un même avenir. Les Algériens, souligne donc la brochure, sont soudés par plusieurs éléments. Une longue vie commune, depuis des millénaires, les a marqués. Le mode de vie propre est témoin de sa longue évolution. La mentalité, malgré ses variantes régionales, facilite la compréhension entre compatriotes. La culture diverse et richesse et complémentarité. La religion les a aidés à prendre conscience de leur unité. Le facteur linguistique est élément d'intercompréhension. Je suis désolé d'avoir lu parce que, en fait, comme le temps... on va revenir sur cette période, y compris par des échanges, et j'aurais des questions complémentaires aussi à te poser sur certains épisodes que Sadek nous a racontés et auxquels il était très attaché par rapport au caractère emblématique de ces épisodes. Donc, si tu pouvais arriver à ta conclusion, puis on reviendra, on prolongera. En fait, Sadek et d'autres militants qu'on a accusés de berbérisme, pour certains, quittent, mais pour d'autres, ont été exclus. Sadek est particulièrement intéressé par une chose extrêmement importante, c'est la tenue d'un congrès national. Et il n'a pas cessé de le demander. Il a rencontré avec d'autres camarades Messali Hadj et le parti a toujours dit fermer la porte au dialogue. Donc la crise de 49 prend fin vers mars 50. Pourquoi mars 50? Parce qu'en mars 50, et on a découvert donc l'existence de l'organisation spéciale OSS, et donc ces militants ont décidé de ne pas embêter en quelque sorte le parti, alors que le parti était acculé par les services français. Ils quittent le parti tout en restant à l'AEMAN,
et il devient rapidement, donc quand il était à l'Aïman, membre du bureau, il était en quelque sorte parachuté par, si on veut, par le MTLD, même si il y avait un vote. Donc il devient plus tard le responsable de l'Aïman et il adhère au Parti communiste algérien en 1951. Voilà, je pense que pour ma période, j'ai... Tout à fait. Tu as brossé un peu le tableau de ces années, de son éveil politique, où il se tourne vers le PPA, hein, vers le mouvement indépendantiste algérien, dès ses années de lycéen, comme d'autres de ses compagnons d'études à Ben Aknoun. Et il s'engage, mais sur la base de l'idée que l'Algérie à construire, l'Algérie libre de demain, serait une nation construite sur une base politique, constitutionnelle et inclusive par rapport aux différentes composantes ethno-linguistiques de ce territoire. Voilà. Donc c'était ça, son idée. Alors, je voulais compléter ton intervention par un souvenir d'un épisode auquel il était particulièrement attaché. C'est un épisode qui se rattache à une journée organisée par l'AIMAN, l'Association des étudiants musulmans d'Afrique du Nord, dont il était un des responsables. Et il y a eu une sorte de polémique et de tension lors d'une fête où il s'agissait de faire chanter une série d'hymnes patriotiques. Et il proposait tout simplement que parmi la dizaine de chants dont presque la totalité, a priori, était en arabe, qu'il y ait un chant en kabyle. Et alors là, aussitôt, hurlement... vas-y, Justine, reprends. Oui, en fait, ils ont accepté et ça a été inscrit dans le programme. Et à la dernière minute, avant, le chant, c'était « Kéramis ou Mazir », « Debout, fils de Mazir ». En fait, ce chant était chanté partout en Algérie. Moi, en 1990, j'étais à Ghardaïa et il y avait un militant, un ancien militant du PPA qui est venu me voir, un Chahambi. Il me dit, tu es kabyle? Je dis, oui. Tu fais quoi? Je fais de l'histoire, je suis prof, etc. Il me dit, tu connais Kéramis Oumazir? Et puis je l'ai regardé comme ça, vous connaissez Kéramis Oumazir? Il me dit, oui. Et il me l'a chanté. Et donc, pour dire que... Ce n'était pas un kabyle. C'était pas un kabyle, c'était un Chahambi. Et donc, le chant était chanté partout. Et j'ai retrouvé dernièrement dans les archives d'Aix-en-Provence une copie de ce chant écrit en lettres arabes, en caractère arabe. Et cette équipe, donc il y avait Hannin et surtout Mabrouk Belhoussine et d'autres militants, qui ont inscrit ce chant dans le programme. Et quelques minutes avant, donc ils ont dit, on arrête, non, il n'y aura pas Kéramis Oumazir qui va être chanté. Et c'est un petit peu l'un des éléments qui ont poussé ces gens à se poser des questions sur la nation, mais aussi sur le parti. Qu'est-ce qu'on veut construire comme nation? Et il y revenait très souvent, Sadek, sur cet épisode, en disant, nous ne voulions absolument pas imposer la berbérité à la totalité de l'Algérie, ça n'aurait pas de sens. On voulait simplement que notre particularité soit inscrite, mettons, dans ce programme, pour un dixième des chants qui seraient entonnés. Voilà. Donc ça, c'est important. Puis alors, la deuxième chose que je voulais te poser, la deuxième question que je voulais te poser par rapport à ton intervention, où tu as employé un peu alternativement, comme ça se fait dans les... travaux historiographiques sur cette période, les termes de indépendantiste et de nationaliste pour désigner l'engagement de l'étoile nord-africaine, puis du PPA, puis du MTLD et du FLN ensuite. Donc, Sadek, c'est une dernière remarque qu'il m'a faite. C'est bien simple. Il s'agissait d'un document pour commémorer. Que différentes associations voulaient faire, une commémoration de différentes associations voulaient faire, du 14 juillet 1953. Sept morts à la place de la nation, répression terrible,
Et Sadek, il se trouve qu'il était en Algérie et qu'il était présent lors de l'arrivée des cercueils sur le port d'Alger et de leur inhumation dans leur village respectif. Donc, on préparait un document, puis je lui fais relire ce qui le concernait et ce qui concernait l'événement. Et il dit, tu parles des nationalistes algériens. Nationalistes, moi, je préférais qu'on mette indépendantistes. Parce que nationaliste, il y a une certaine polysémie du terme. Hein. Nationaliste, le nationalisme, c'est aussi ce dont se réclamait le général Franco en Espagne, le nationalisme. Et certains colonialistes en France, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une différence à introduire entre l'idée d'indépendantisme, objectif politique, par rapport à l'idée nationaliste ? Alors, j'ai dit, OK, on change. Et c'est une des dernières remarques qu'il a faites. Il était en rééducation après s'être cassé le col du fémur. Et il avait bien toute sa tête et une certaine vigilance et réflexion sur cette notion. En fait, moi, c'était pas. Enfin, il remplace le mot nationaliste par patriote. Et à chaque fois, il me l'a répété. Il me dit, en fait, je préfère, me concernant, me traiter de compatriote, de patron, de patriote, que de nationaliste. Mmh. Voilà. Et c'était. Comme tu viens de le dire, moi aussi, c'était répété à chaque fois qu'on se retrouvait, qu'on discutait de nationalisme, patriotisme. À chaque fois, lui, il revenait à la charge me dire, en fait, moi, Ali, tu penses, je préfère... C'est un débat qu'on a retrouvé en France dans le mouvement ouvrier et socialiste avant 1914, hein, puisque les nationalistes, c'était ce dont se réclamaient les partisans de la guerre, etc. Et les antisémites, par ailleurs, et les colonialistes, par ailleurs. Et donc, les gens qui étaient pour la défense nationale se réclamaient plutôt du patriotisme. C'est ça. Voilà. Donc, merci pour avoir évoqué cette période jusqu'à 1949, où là, il rompt, donc il est exclu du PPA, à direction... messalistes de l'époque. Hein. Donc il ne faut pas simplifier l'histoire et tracer un portrait entièrement simpliste du messalisme non plus. Hein. Il n'y a pas que les problèmes au sein du FLN qui se posent dans l'histoire algérienne. Alors merci. Merci pour cette évocation de la première... face de la vie de Sadek. Bien, alors, après avoir parlé de ce qui se passe dans le pays au début des années 50 et du rôle que commence à jouer le PCA dans la période 51-52, où il y adhère au PCA, parce qu'auparavant, Sadek, il ne voulait pas y aller au PCA. Au début des années 50, il y a au sein du PCA une arrivée de militants qui sont d'origine autochtone, hein, ou pas, mais qui sont favorables à l'indépendance. Hein. Et donc, il y a une orientation pro-indépendance qui s'affirme. Et elle s'affirme à la base, et elle s'affirme aussi à la direction. Il va y revenir, Sadek, dans l'extrait suivant que nous allons voir, hein, ce qui se passe au niveau du bureau politique du PCA. Voilà. Donc, il y a une poussée indépendantiste. Et il y a une différence qui s'esquisse entre l'orientation PCA et de sa direction et d'une partie de sa base. L'autre partie de la base, elle s'en va. Hein. Elle n'épouse pas cette orientation indépendantiste. C'est une partie des Européens qui s'en vont du PCA. Alors que d'autres y restent et approuvent cette orientation indépendantiste et que des Algériens autochtones rejoignent pour cela, comme Sadek, le PCA. Voilà. Donc il y a une évolution. Il y a les élections cantonales auxquelles il fait allusion. Ça, c'est avant 54. Et là. 52, je crois. Oui, 52, il me semble. Et c'est là où il y a un désaccord entre certains représentants du PCF dans le PCA, on peut dire, hein,
On peut dire qu'André Moine avait un petit peu ce rôle. Bon. Donc, tu m'étudieras ta lecture et ton étude des événements. Donc, il y a un désaccord interne auquel il faisait référence entre plusieurs positions, ou bien le front algérien avec les autres mouvements indépendantistes, ou bien on reste collé à l'agenda français, hein, droits sociaux, etc. Bon, donc il y a des désaccords avant 54, et puis en 54, il y a une très grande attention de la part de Bachir Adjali. Larbi Bouali, qui est le secrétaire général, les suit, mais il n'est pas moteur dans cette orientation-là, me semble-t-il. C'est Bachir Adjali et Sadek Hadjeres qui promeuvent une politique de soutien au 1er novembre 1954, auquel ils sont très attentifs, dont ils sont au courant des préparatifs. Et voilà. Et c'est ce qu'il va raconter Sadek dans le prochain film. Le PCA, depuis quelques années déjà, c'est-à-dire après 1946, avait fait, après une sérieuse autocritique de son comité central, de son congrès, avait vraiment, c'était implanté dans le mouvement national, c'était un des courants avec le PPA-MTLD, avec l'UDMA, avec les Oulama, avec les organisations de jeunesse et les syndicats. C'était une composante pratiquement tout à fait normale. Et autour du début des années 50, alors là où du point de vue de l'expression publique, la revendication d'indépendance était clairement assumée, là, ça a été vraiment un essor, d'autant plus que beaucoup de jeunes venaient de faire leur expérience, et des syndicalistes également, ou de militants politiques dont j'étais aussi, venaient de faire leur expérience des limites du mouvement nationaliste, disons, du point de vue doctrinal, du point de vue... Et il y avait un afflux considérable vers le Parti communiste. Comme il y avait le journal Algérie Républicain qui exprimer tout cela, c'était un moment favorable. Mais avec les activités, au fur et à mesure, on se rencontrait. Un autre camarade algérien musulman, qui est devenu médecin par la suite, Salah Mohamed Saïd, vraiment parmi les plus brillants, Mohamed Saïd était étudiant en médecine. Il prenait pas de notes, il avait tout dans la tête. Mais d'un dévouement, d'un humanisme. Il a été assassiné dans le maquis de Kabylie vers 57, je crois, parce qu'il y avait des sectarismes et des... À ce moment-là, c'était l'époque où il y avait des conditions, disons, où on se méfiait beaucoup des communistes dans les maquis. On leur demandait non seulement de couper les relations avec le parti, c'est-à-dire d'être seulement à titre individuel, mais pour le cas de Mohamed Saïd, Salah, on leur demandait même de renier ses convictions, ce qui pour lui était impossible. Alors le PCF se montrait souvent solidaire. Il y a eu un moment où... on était en désaccord relativement, c'était pour à l'occasion du front algérien précisément. Il y avait des nuances parmi les composantes de ce front. Mais à un moment donné, il y a eu des élections cantonales partielles dans lesquelles aussi bien le PCA que les autres formations étaient pour le boycott de ces élections. Et le PCF avait donné un avis disant qu'il fallait participer à toutes les élections, même petites, etc. Il ne se rendait pas compte vraiment de l'importance qu'avait à ce moment-là une action nationale à cette échelle, dans un moment de flux patriotique important. Et sous cette pression, le comité central du PCA
qui avait d'abord été pour le boycott, a dû refaire une autre session où la majorité a basculé. Il s'est prononcé pour la participation. C'était vraiment ridicule. C'était vraiment... parce que le PCF, évidemment, avait en vue, ne ressentait pas vraiment l'importance qu'avait ce front qui se constituait, qui pouvait être un moment décisif de la conscience politique nationale, qui faisait reculer l'activisme, qui voyait comme seule issue uniquement l'action armée, alors que l'important, ça pouvait être une perspective dans laquelle se combinaient les deux actions. Mais à ce moment-là, l'activisme à l'état, j'allais dire, primaire, a progressé dans la population qui, devant les répressions colonialistes, ne voyait pas d'autre issue finalement, ou tout au moins estimait qu'il n'y avait plus qu'une seule issue, c'est la lutte armée, mais dans son sens le plus immédiat, spontané. C'était une méconnaissance, une connaissance insuffisante de la réalité algérienne. Mais ensuite, par la suite, le PCF a été d'accord avec la lutte pour l'indépendance, la lutte armée, et je peux dire qu'il y a eu une coopération assez étroite pendant la guerre de libération. Il y avait des camarades, par exemple, qui étaient dans les actions de masse politiques, légales, etc., ou semi-légales, mais à l'occasion, individuellement, certains donnaient un coup de main, soit pour héberger, soit pour... Je peux dire par exemple que pour l'opération Mayo, peut-être les trois quarts des participants, d'une trentaine de participants à cette opération ensemble, les trois quarts n'étaient pas dans la branche militaire. Mais enfin, je ne sais pas pourquoi les colonialistes voulaient faire cette distinction à tout prix, c'est pour criminaliser davantage l'activité des militants communistes. Tout communiste ou connu comme communiste était l'objet de leurs recherches. Et vraiment, c'était des recherches intenses. Certains responsables FLN disaient « Oui, Mayo a pris les armes parce que c'était pour noyauter le FLN, pour noyauter la LN ». C'était toujours l'interprétation sectaire qui était donnée. Pour d'autres, ils disaient « Mais les Européens qui se sont joints à la lutte pour l'indépendance, c'était des traîtres à leur communauté. Par conséquent, de la même façon qu'ils ont trahi leur communauté d'origine, ils peuvent trahir à nouveau leur nouvelle communauté ». C'était vraiment des choses comme ça, au ras des pâquerettes, comme on dit, et qui, le PCA, qui était victime au début de la fausse propagande de certains responsables du FLN qui disaient « Les communistes ne sont pas pour l'indépendance, ne sont pas pour la lutte armée, qu'il fallait se méfier des communistes, etc. » Alors là, ça a été vraiment le changement. Parce qu'il faut distinguer finalement entre l'opinion de certains milieux et les opinions en profondeur, dans la masse même de la population. Vraiment, là, j'aurai toujours le souvenir de les réactions après l'opération Mayo. C'est vraiment l'unanimité des gens qui disaient ce qu'il a fait, ce Mayo, il a fait mieux que nous, les musulmans. Il a droit au paradis musulman. Ça a été pareil pour Yves Thon, ça a été pareil pour Audin, etc. À tel point que, d'une certaine façon, les symboles qu'ont constitués ces Européens qui sont engagés dans la lutte armée arrivent parfois à occulter le fait que des dizaines et des dizaines de militants communistes algériens sont tombés pendant la guerre de libération. C'est devenu des symboles, c'est-à-dire d'engagement désintéressé. Alors en fait, ça a été vraiment un des facteurs qui ont fait que de visibilité du Parti communiste comme étant pleinement engagé dans la lutte de libération, alors que beaucoup de dirigeants FLN faisaient tout pour faire comprendre à l'opinion occidentale que les communistes n'avaient rien à voir, etc. Quoi, c'était...
un faux calcul de leur part, mais parce que s'il n'y avait pas eu ce poids de l'insurrection algérienne, il n'y aurait pas eu autant de répercussions dans l'opinion progressiste démocratique française. C'était laisser la voie libre à la propagande colonialiste qui disait que l'insurrection algérienne, c'était une insurrection de fanatiques musulmans, de caractère purement religieux, etc. Mais ces camarades européens ont eu peut-être un mérite de plus de surmonter les incompréhensions de leur milieu. Pour un Algérien musulman, c'était vraiment... on était dans notre milieu naturel, quoi. S'il y avait des problèmes, tu es sûr que des inconnus pouvaient t'héberger, tu es sûr. Il y avait un élan patriotique, donc on suivait le... Tout le monde suivait le même mouvement, la même vague. On a le court extrait du film de Kasha Twitta, qui est un film de fiction, qui reconstitue quelques images du détournement lui-même, organisé donc par Sadek de manière très très précise, et puis de l'utilisation dans le maquis du Schleff, qui était un maquis dans l'Oise-Nice, organisé par les communistes du PCA et les combattants de la libération, une partie des armes étant remise à la LN. Bon, je ne m'étends pas sur ce point, on y reviendra, et je passe la parole à Alain Ruscio. Merci. Sur ce point. Bonsoir. Comment se fait-il que, lorsque j'ai commencé à construire une contribution pour cet hommage à Sadek Kadjeres, une phrase de Paul Éluard me soit venu à l'esprit. De l'horizon d'un homme à l'horizon de tous. Pour Sadek, de l'horizon d'un peuple à l'horizon de l'humanité. Oui, la vie entière de Sadek fut faite de ce dépassement, de cette multiplication que fut le passage d'un parcours au destiné d'un peuple, son peuple, l'Algérien, dans toute sa diversité. Mais ce dépassement a vite franchi les frontières, de sorte que son patriotisme s'est lié, s'est fondu dans son internationalisme, dans ce que Sadek aurait aimé qu'on appelât une unité dialectique. Je vais employer une formule. Sadek fut un homme passerelle. Passerelle entre le nationalisme sous sa forme PPA et un communisme algérien autonome qui s'est longtemps cherché. Passerelle ensuite entre ce communisme algérien et le communisme français. Je commencerai donc par la première passerelle. Il a fallu aux jeunes Algérès une intrépidité que nous avons bien du mal à imaginer aujourd'hui pour se rapprocher des communistes. En 1951, lorsqu'il adhère au PCA, les plaies de la catastrophique lecture des massacres du Constantinois du printemps 45 par le PCF et par le PCA sont encore ouvertes dans les rangs nationalistes et dans une grande partie de la population algérienne. En 1951, toujours, c'est toujours pour le PCF, mais également pour le PCA, la théorie de la nation en formation émise par Maurice Thorez en février 1939, qui préside aux principales analyses de ces deux parties. C'est peut-être donc de façon contradictoire ce moment que choisissent bien d'autres non-européens, je préfère cette expression à celle de musulmans, de non-européens, pour devenir communistes. Si le jeune PCA fut évidemment le lieu d'expression et de militance d'Européens internationalistes, si l'histoire a retenu les noms de Gilberte et Henri Alleg, Josette et Maurice Audin, d'Henri Maillot, de Raymond Taous-Péchard, de Fernand Yvetot, il y eut également des militants qui n'avaient pas assimilé la spécificité de la situation coloniale. Et justement, ce militant dont Gilles voulait parler et que je lui ai volé au passage, ce Gachelin, rencontré en 1943, qualifié par Sadek, donc en 1943, Sadek n'est pas encore communiste, qualifié par Sadek d'un des Européens communistes les plus sympathiques et les plus actifs.
Pourquoi, lui demanda Sadek, parais-tu si tiède envers les revendications d'indépendance ? Gachelard rétorqua, êtes-vous bien sûr que l'indépendance est une bonne chose pour vous ? Vous auriez plus de liberté avec une France socialiste. Dans tous les cas, vous les musulmans, vous n'y arriverez jamais. Sadek pose la question, mais pourquoi ? Réponse de Gachelin, parce que vos femmes sont voilées. Derrière cet échange se cachait un véritable choc des cultures, même si ce communiste actif et sympathique ne pouvait imaginer une sortie, même ce communiste sympathique et actif ne pouvait imaginer une sortie de la situation coloniale à l'initiative des musulmans, soit de 9 Algériens sur 10. Combien étaient-ils les militants européens d'Algérie dans ce cas ? Début 1951, quand Sadek devient membre du Parti communiste algérien, ce parti est en train pourtant de connaître une mue qui s'avérera décisive. Une nouvelle génération de militants non européens accède à des postes de direction. Sadek lui-même devient membre du comité central en 1952, du bureau politique en 1954, numéro 2 du parti aux côtés, ou numéro 1 bis, d'ailleurs, du parti aux côtés de Bachir Hadjali durant toute la guerre d'indépendance. Au terme du 6e congrès 1952, le secrétariat comptait plus de musulmans ou de non-européens, Larbi Bouali, Bachir Hadjali, Ahmed Akash, que d'européens, Paul Caballero, André Moine, 52. La proportion était de 8 pour 4 au bureau politique, de 30 pour 17 au comité central, toujours en 1952. À la veille de la guerre d'indépendance, le PCA comptait de l'ordre de 60% de non-européens. Il était alors, en nombre d'adhérents, la seconde force politique au sein de cette population, évidemment bien loin du PPA-MTLD. Mais c'est surtout lors de la guerre d'indépendance que son rôle d'homme passerelle va s'affirmer. Il fut, avec Bachir Hadjali, l'interlocuteur du FLN, on en a abondamment parlé ce soir. Interlocuteur actif du fait de la non-réceptivité du front jusqu'au printemps 1956. Mais interlocuteur décisif, tant la paternité du PCA dans l'opération Maillot, paternité dans laquelle Sadek joua un rôle majeur, put enfin peser et permettre cette coopération. Deuxième aspect que je voulais souligner, le rôle d'homme passerelle entre PCA et PCF. Durant la plus grande partie de son histoire, le mouvement communiste algérien le mouvement communiste algérien avant, mais aussi après la fondation formelle du Parti communiste algérien en 1936, ce parti avait lié sa stratégie à celle du PCF. Une alliance certes fraternelle, qu'il convient de ne pas mépriser a posteriori, car elle fut souvent fructueuse, mais également alliance inégale. Le PCF, fort de son expérience, de son poids politique, ayant tendance à sous-estimer ce qu'était la spécificité de la situation algérienne. Le PCF fut longtemps non seulement le parti frère, mais le parti grand frère, usant et parfois abusant de cette inégalité. Aimé Césaire, lorsqu'il quitta le PCF en 1956, forgea à ce propos le néologisme de fraternalisme. Revenons à la date d'adhésion de Sadek en 1951, c'est alors André Marty, qui suivait, selon un mot assez pénible utilisé dans la culture communiste, qui suivait le PCA. Sa brutalité, bien connue, a sans doute accentué ce penchant. Mais évidemment, ce fraternalisme était le fait de bien d'autres dirigeants français. Or, qu'a-t-on constaté lors de la guerre de libération ? J'avance l'hypothèse, que j'ai évidemment pu développer beaucoup plus longuement dans mon livre, j'avance l'hypothèse que l'influence PCF-PCA s'est alors inversée. Les communistes algériens ont franchi la Méditerranée pour demander à leurs camarades français de radicaliser la condamnation de la guerre en cours, plus pour prononcer le mot-clé de la lutte indépendance. Et ce, dès juin 1955, contrairement à ce qui est écrit très souvent par un certain nombre de mes collègues. Juin 1955, Larbi Bouali joua à cette occasion le rôle majeur, signant un article dans l'organe du Cominform, qui était à l'époque le comité d'information des partis communistes européens, mais Larbi Bouali s'y était exprimé, dans lequel un article repris par l'hebdomadaire du PCF France Nouvelle, j'ai toutes les dates évidemment, juin 1955, citation
de Larbi Bouali, donc dans la presse communiste française cette fois-ci, le problème algérien est le suivant. Comme tous les peuples opprimés, le peuple algérien aspire à une vie nouvelle, à une vie libre, à son indépendance nationale. Il se crée en Algérie une communauté nouvelle et l'unité nationale se forge. Un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre. Le 13 juin 1955, le très respecté et très lu directeur de l'Humanité, Marcel Cachat, signa l'éditorial de son journal. Donc, vous voyez, on est 3 ou 4 jours après la publication de l'article de Bouali. Le 13 juin, Marcel Cachat dénonce le ratissage, provocation, etc. Poursuit, il serait... les ratissages ne peuvent rien, citation, contre des millions d'Algériens qui aspirent à l'indépendance. Puis, Cachat poursuivait, il serait urgent de leur donner, aux Algériens, les moyens de vivre de leur travail en leur rendant la possession du sol de leur patrie. Il s'agit là d'un mouvement national soutenu par tout un peuple. Ils veulent vivre de leur travail sur leur sol libre, indépendant. Comment ne pas remarquer qu'un certain Sadek Adjeres fit en septembre-octobre 1955 un voyage à Paris sous une couverture légale. Il se déplaçait grâce aux entretiens de Bichat, nous a-t-il dit à un certain nombre d'entre nous. Donc, au cours duquel, non seulement il rencontra les dirigeants du PCF, mais il dit, citation dans la bouche de Sadek lui-même, il rencontra dans le plus grand secret d'anciens officiers FTP. Ils me donnèrent des conseils livrés de leur expérience, tirés de leur expérience, organisation, méthode de lutte, etc. Et Sadek ajoutait que même lui n'a pas pu savoir quels étaient ses interlocuteurs, clandestinité ou discrétion oblige. Donc, dès ce moment-là, on peut considérer que c'est l'influence du PCA sur le PCF qui a permis de renoncer assez rapidement, finalement, contrairement encore à ce que affirme un certain nombre de mes collègues, assez rapidement à la renonciation à la théorie de la nation en formation. Je ne peux, pris par le temps, développer longtemps cet aspect, mais évidemment, si nous avons quelques minutes, on pourra en parler dans la discussion. Mais je voudrais souligner un autre message, un autre enseignement de la vie de cet homme, son absolue sincérité. Tel il fut durant toute sa vie politique active, tel il était resté. Tous ceux dans cette salle qui ont pratiqué l'entretien, donc j'en connais un certain nombre, qui ont pratiqué l'entretien historique savent combien c'est parfois difficile de garder une distance critique par rapport à ce que certains témoins, volontairement ou non d'ailleurs, peuvent avancer et parfois tenter même peut-être de manipuler les historiens. Ce n'était évidemment absolument pas le cas de Sadek. Il y avait chez lui, avec lui, quelque chose de plus que l'on rencontre rarement, rarissimement chez les témoins, une sorte de confiance tranquille dans ses affirmations, même celles, et il y en avait, qui comportaient des faits délicats, dérangeants pour l'histoire de ses engagements politiques. Chez Sadek, pas de faux fuyants, pas de détours, pas de secrets de famille, pas de confidence off, comme disent les politiciens. Mais la vérité issue de sa mémoire, qui était précise, charge à l'historien, bien sûr, interviewé, d'en faire ensuite l'usage qu'il voulait. Voici, en quelques mots trop courts, en quelques trop courtes formules, quel homme fut Sadek Adjeres. Pas un héros, encore moins un modèle, les peuples n'en ont pas besoin, mais un militant. Ce beau mot, trop souvent discrédité, un Algérien, un membre de la communauté humaine, indissociablement, dialectiquement. Merci. Merci Alain. Le PCA a sûrement, comme tu le montres, eu une influence en retour, si je puis dire, sur le PCF, mais celle-ci n'a pas réussi ni à changer son communiqué du 9 novembre 1954, après la visite, c'est toi qui nous l'apprends, de Bachir Adjali à Paris, en catastrophe. Il venait de Kabylie d'abord, puis d'Alger. Et il se rend à Paris pour rencontrer des responsables du PCF. Et dans ton livre, tu racontes qu'il a rencontré au moins Jeannette
Thérèse Vermersch, peut-être avec d'autres, probablement avec d'autres. Bon, et il dit, non, il faut retirer cette phrase de votre communiqué qui n'est pas encore parue, du bureau P, politique, du BP, du PCF. Une phrase qui émettait des sérieuses réserves sur le mouvement lancé par le FLN. Et ils ont dit, merci, nous allons y réfléchir. Ils ne l'ont pas invité à la réunion du bureau politique du PCF, hein, ça c'est un fait, et la phrase n'a pas été retirée. Il n'a pas réussi donc sur ce point-là, pour se communiquer du PCF du 9 novembre, et il n'a pas réussi non plus à peser sur le vote de mars 56. Bah oui, mais bon. Ben oui, mais ça fait partie de l'histoire, hein, et tu le reconnais, bien sûr, tu l'évoques, bien entendu. Franchement, tu m'apprends rien, mais je vois... Le vote des pouvoirs spéciaux a été un drame, et j'ai écrit suffisamment de choses là-dessus pour être très à l'aise pour dénoncer ce vote catastrophique qui a été celui du groupe communiste. Mais revenir comme tu le fais, et j'ai l'habitude avec toi, et parfois c'est un petit peu pesant, seulement sur le communiqué de novembre 54 et sur le vote des pouvoirs spéciaux pour globaliser l'histoire du PCF durant la guerre d'Algérie, m'irrite un petit peu. Voilà, je l'ai dit. Bon, désolé de t'avoir irrité, mais j'ai rappelé un fait. Et moi, quand... je peux en rappeler d'autres. Oui, non, mais bon. Enfin, parce que qu'est-ce qui se produit? Et ensuite, on va passer la parole à Michel, bien sûr. Mais je termine sur ces relations PCA-PCF, et elles ont une influence sur la prise de position en août 1956 du congrès du FLN à la Soumam. Et... dans la plateforme de la Soumam, en août 1956, il y a un passage globalement anticommuniste, je dirais. Rédigé par Omar Ouzgan, oui. Rédigé par Omar Ouzgan, un ancien dirigeant très, très docile, par ailleurs, pendant la période où il était à la tête du PCA, vis-à-vis de ce qui venait de Paris. Omar Ouzgan... passe complètement à un discours nationaliste anticommuniste, bon, et cautionne ce passage, enfin écrit probablement, ce passage inséré dans la plateforme. Et à ce moment-là, il y a une confusion qui s'opère chez Omar Ouzgan et puis aussi Aban Ramdan, qui est quand même un peu à la manœuvre à la Soumam. Eh bien, entre les communistes français et les communistes algériens. Voilà. Et donc, ça pèse sur l'histoire, ça produit le discrédit contre les communistes algériens qui étaient des patriotes, hein, comme l'a expliqué Sadek dans le film. Voilà. Donc ça, c'est le contexte historique qui explique que les communistes, malgré les efforts de Sadek et de Bachir Adjali pour donner des armes et pour... participer au maquis, à leur manière, avec les CDL qu'ils voulaient indépendants, autonomes, eh bien, malgré leurs efforts, ils vont être largement discrédités, et y compris jusqu'au fait que... Si on poursuit cette conversation amicale, les dirigeants du FLN, beaucoup de dirigeants du FLN et de militants du FLN n'avaient pas besoin de ça pour être anticommunistes. Donc, je veux dire, il faut regarder les choses dans leur globalité. Et donc, c'est vrai que Ouzgan a été... Sadek lui-même nous le disait, il l'a sans doute dit à d'autres dans cette salle, Ouzgan était le plus féroce antinationaliste jusqu'à 1945-1946. Il a écrit des textes qui étaient encore pires que ceux que les autres textes de l'humanité en mai 45, d'une férocité. Et donc, ensuite, il a essayé de se racheter auprès de ses anciens, auprès de ses nouveaux amis, ses nouveaux frères. Rien ne peut enlever le fait qu'il y a eu une participation massive, dans les proportions normales et quantitativement normales d'Européens communistes dans les maquis, dans la lutte. Daniel Timsit, enfin, on peut continuer la liste. Et un certain nombre de dirigeants du FLN, ne serait-ce que pour ne pas apparaître discrédités
aux yeux de l'opinion internationale, et en particulier les Américains, enfin, appelons les choses, Irving Brown a fait des séjours à Alger à l'époque, pour, enfin, tout ça, il faut y compris des risettes à l'Espagne franquiste. Bon, ne faisons de procès à personne, mais gardons raison. Voilà. Merci. Donc c'est vraiment un débat historiographique qu'il faut poursuivre. Et j'invite Michel à intervenir à son tour. Eh bien, Audin, tu vois, c'était... Il y a eu une affiche qui a été dessinée par Ernest Pignol-Ernest. C'est tout à fait lui. Du point de vue habillement, très simple, c'était un peu comme étaient tous les jeunes algériens, quoi. Il était à l'aise partout où il allait, tu vois. Tu pouvais avoir peine à imaginer que, évidemment, un prof, chercheur de vraiment brillant, hein, c'était... Mais il était à l'aise. Et toujours amical, souriant. Josette... Elle avait l'air timide, alors que dans ses discussions, elle était très engagée, mais c'était le même caractère que son mari, c'est-à-dire toujours discrète. Tous les deux étaient aussi engagés. Quand il y avait des manifestations ou affrontements avec les étudiants de l'AG, l'Association Générale des étudiants algériens, qui était en majorité européenne, ou alors des manifestations contre la répression, ou des conférences culturelles qui se déroulaient au foyer de la Roberto. C'était vraiment un échange, un centre de débat très, très intense, où il y avait beaucoup de courants, à la fois les courants nationalistes, mais aussi des courants de chrétiens progressistes. Il y avait, disons, plus de clivages entre courants politiques idéologiques que de clivages ethniques. Évidemment, pas question de racisme, au contraire, une certaine empathie. C'était d'ailleurs le cas de la plupart des milieux communistes algériens, où on ne distinguait pas vraiment entre, du point de vue, dans nos débats, etc., on ne se rendait pas compte des différences d'origine, malgré des nuances dans l'approche, les approches. Au-delà des conceptions identitaires, etc., il y avait une analyse vraiment de ce qu'était le colonialisme. Ils comprenaient très bien que des patriotes algériens envisagent une perspective de lutte armée. Tellement il y avait d'obstacles et de la part du colonialisme à l'époque, tellement l'arbitraire était fort, il y avait peu de place, une vie vraiment politique très active à ce moment-là. Voilà, c'est dans ce contexte-là que j'ai connu Maurice. Le 13 septembre 1955, lorsqu'il y a eu l'interdiction du parti, du PCA, le jour même, j'étais chez les Audin, parce que je faisais le tour un peu des camarades pour envisager quelle serait dans leur activité dans les nouvelles conditions créées par l'interdiction. J'étais déjà à la fois à cheval sur l'activité légale et sur l'activité armée, dans un moment où la lutte armée engagée par le FLN connaissait un creux assez inquiétant. Les actions armées déclenchées le 1er novembre était vraiment... c'était une situation très critique et très difficile que connaissaient les maquis. Moi-même, j'étais médecin à l'Harrach, Maison Carrée. J'étais candidat du parti avec cet objectif de mener de populariser, de redonner confiance au mouvement de masse. Et par ailleurs, depuis février, à ce moment-là, Bachel Hadj Ali, qui était membre du secrétariat du PCA, m'a contacté pour me dire que le PCA avait décidé la création de l'Organisation combattante de libération, étant donné que depuis 3 mois,
nos efforts pour prendre contact avec le FLN n'avaient pas abouti. En fait, il y avait une position délibérée du FLN de ne pas prendre contact. Alors qu'il y avait des contacts informels, moi-même j'en avais déjà avec des responsables FLN. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons commencé la prospection des cadres pour la participation à la lutte armée, de façon autonome jusqu'à ce que les relations avec le FLN puissent clairement définir dans quelles conditions cette participation se ferait, ce qui s'est réalisé l'année suivante. J'étais en mesure d'essayer d'évaluer où chacun de ses camarades serait le plus efficace. Donc, la discussion avec Maurice Audin, c'était qu'il continue l'activité de masse qu'il menait déjà dans les milieux progressistes, intellectuels et enseignants en particulier, pour dénoncer la répression colonialiste qui prenait à ce moment-là une ampleur considérable, étant donné le début de la lutte armée, revendiquer la reconnaissance du fait national et encourager des négociations. Voilà. Donc il devait continuer cette activité. Il a participé même à l'exfiltration, comme on dit maintenant, de Larbi Bouali, qui était premier secrétaire du parti à ce moment-là. C'était, je crois, vers novembre 1956, vers l'extérieur, pour prendre contact avec les organisations. Avec les partis, le mouvement communiste international pour le soutien au FLN. D'ailleurs, dès les premiers mois, on a eu du répondant de la part de la plupart des partis communistes du mouvement communiste international. Mais ça, c'était des activités parallèles aux combattants de la libération. Larbi Bouali lui-même n'en faisait pas partie. Donc il y avait une répartition un peu des tâches. Mais Maurice Audin, contrairement à ce que les tortionnaires futurs ont essayé de dire, il menait une activité terroriste ou favorisant les terroristes. En fait, d'ailleurs, son arrestation, qui était liée au fait que le docteur Hadjadj était venu soigner chez lui le Paul Caballero, c'était une activité tout à fait politique, légale. Donc je peux le confirmer, Maurice Audin n'était pas dans l'organisation des combattants de libération. C'est-à-dire dans la branche militaire. J'ai rencontré Josette Audin, je ne sais plus combien de temps, après la disparition de son mari. C'est parce qu'on se préoccupait à l'époque de la solidarité avec les familles de détenus, de disparus, de maquisards, etc. Étant donné qu'elle jouissait d'un statut un peu public, je veux dire qu'elle pouvait circuler facilement, elle pouvait être donc un bon acteur dans cette organisation, on a décidé de la rencontrer dans un local, un des plus clandestins du parti. C'était le local où j'avais supervisé une des imprimeries clandestines. Et surtout, il fallait organiser sa venue d'une façon très vigilante, quoi. Donc on a fait faire un circuit énorme. C'était en plein été, sous le soleil, l'après-midi. Et finalement, elle-même avait décidé, on n'était pas au courant, de prendre son dernier né avec elle. Je suppose parce qu'elle ne pouvait pas le laisser seul. Ou d'une certaine façon, c'était un peu plus vigilant aussi, puisque c'était une sortie en quelque sorte banale. Je me rappelle, un des derniers tronçons du trajet, c'était rue Danton. Il y avait des escaliers entre la rue de Mulhouse et la rue d'Anton. C'est un des plus hauts escaliers, des plus longs escaliers d'Alger. Elle est arrivée épuisée complètement dans le local. C'était évidemment pour moi assez émouvant parce que c'était quand même
tout un drame, quoi, une tragédie même. Et finalement, c'est elle qui m'a donné courage, puisque autant que l'inverse, quoi. Donc on avait décidé de garder le contact avec elle, qui avait contact, elle, avec les détenus. Elle était en contact avec Jamila Briki, qui était l'épouse d'un condamné à mort, qui était impliqué dans l'attentat contre Massu. Donc c'était intéressant, parce que Jamila Briki pouvait aller voir des tas de familles qui étaient des musulmanes. Et elle, à elles deux, elles pouvaient former une espèce de, comment dire, de petite cellule pour se consulter politiquement sur le soutien des actions à mener. Par exemple, autour de Barberousse, de Selkeji, il y a souvent des manifestations pour réclamer plus de droits ou bien pour protester contre les exécutions de condamnés à mort. Ça m'a vraiment beaucoup impressionné, son courage. Le fait qu'elle elle tenait vraiment le coup, quoi, par rapport à... Voilà. Voilà, donc à nouveau la parole de Sadek Adjeres et plus particulièrement ses souvenirs de Maurice Audin et de Josette Audin. Et donc, c'était tes parents, Michel. Oui. Et toi, tu étais petite fille à l'époque qu'évoque, ouais, puisque... Dire, ouais. Bon, vas-y. Voilà, bon, donc je ne fais pas une intervention d'historienne. Hein. On va faire une petite, faire une petite pause. Oui. Donc, en fait, moi, j'ai déjà regardé ce film plusieurs fois, et ce qui m'a beaucoup touchée dans ce film, c'est... Ce que décrit Sadek du PCA, c'est le rêve algérien dans lequel j'ai été élevée. Et bon, enfin, évidemment, on peut raconter ça comme a raconté Ali Guenoun, c'est la même chose, mais voilà. Donc, moi, j'appelle ça le rêve algérien. Donc, ce que je vais vous raconter, c'est deux, trois choses qui sont liées au côté familial de ce qu'était le PCA. En fait, donc tous les c'était une famille en fait, voilà. Donc bon, il y avait ma famille biologique, bien sûr. J'étais là rue de Nîmes le jour de l'interdiction du PCA, mais je vais pas vous dire que j'étais témoin parce que j'avais un an, donc mais j'étais là quand même. Hein. Ok, donc je vais m'arrêter sur deux, trois noms qui ont été prononcés. J'avais pas prévu d'en parler, mais puisqu'Alain l'a mentionné, parmi ces noms-là, on pourrait rajouter Daniel Tipsit, mais j'avais pas prévu d'en parler. Donc ça, c'était ma famille aussi. Je me vais m'arrêter sur le nom de Bachir Adjali. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu comme étant petite fille. Les fils de Bachir, qui s'appelaient Smaïl et Youssef, ils avaient à peu près le même âge que mon frère Louis et moi, et ils venaient chez nous le jeudi à la maison, et puis ma mère nous emmenait à la piscine après. Donc on mangeait à la maison, et puis ma mère nous emmenait à la piscine après. Quand j'ai publié ce livre, Une vie brève, où je raconte la vie de mon père, peu après, j'ai eu un coup de fil de Smaïl Adjali qui m'a rappelé cette histoire de piscine. On s'est perdu de vue, évidemment, depuis. Hein. Qui m'a rappelé cette histoire de piscine et qui m'a dit... je détestais cette piscine. C'est un truc qu'il n'avait jamais dit à l'époque, évidemment. Je détestais cette piscine parce que mon frère et moi, on était les deux seuls Arabes dans la piscine. C'est juste pour donner une idée de ce qu'était l'apartheid en Algérie. Là, je vous parle des années 59-60. Hein. Voilà. Je vais m'arrêter aussi sur le nom de Larbi pour raconter deux choses. Alors, l'exfiltration de Larbi, ça s'est fait grâce à un marin communiste qui s'appelait Christophe Guillou. Mon père et mon oncle ont emmené Larbi sur le port, et il est monté dans le bateau, et ce bateau est parti en Chine, si ce qu'on m'a raconté est vrai.
Christophe Guillou, c'était un marin communiste, et lui et sa femme Marcel, on va commencer par nommer un peu les femmes quand même. Anna a commencé par nommer Gilberte Alleg, mais je crois que c'était la première quand même qu'on nommait. Hein. Lui et sa femme sont devenus après des amis de ma mère et de ma famille, donc bon, il y a quand même un lien qui s'est fait avec les communistes français dans cette histoire. Et je vais raconter une deuxième histoire de Larbi. C'est que donc il a été exfiltré vers la Chine en 1956, mais il se trouve qu'en 1960, il était à Prague. En 60, j'avais 6 ans. Hein. Avec ma famille, on est allé en vacances à Prague, invité par le Parti communiste tchécoslovaque, comme vous pouvez vous en douter, pour passer des vacances en Tchécoslovaquie. Et on a rencontré évidemment Larbi et sa femme, qui s'appelait Taza Hadid, si je ne me trompe pas, à Prague. Et moi, j'avais 6 ans, donc ils m'ont offert des poupées folkloriques tchécoslovaques et russes. Et quand je suis rentrée à Alger, j'ai commencé à raconter à tout le monde qu'on avait vu Larbi à Prague et tout, et tout, et tout. Mais évidemment, il ne fallait pas le dire, mais personne ne m'avait dit qu'il ne fallait pas le dire. Et à ce moment-là, on a pu s'apercevoir que ma mère, avec toutes ses qualités, avait un gros défaut, c'est qu'elle ne savait pas mentir. Et donc, elle répétait à tout le monde que non, on les avait vus à Paris. Personne. Voilà, bon, donc c'était... Je vais vous raconter une dernière histoire et après j'aurai fini, comme ça on pourra parler du Pax et d'autres choses sérieuses. Je vais vous raconter une dernière histoire qui est l'histoire de Jamila Briki, qui va vous prouver aussi que ma mère ne savait pas mentir. Donc cette dame, Jamila Briki, dont Sadek parlait à la fin et qui a formé une sorte de cellule avec ma mère, ça s'est passé concrètement comme ça. Il fallait qu'elle vienne chez nous assez souvent. Voilà, donc ma mère qui était seule avec 3 petits-enfants et qui travaillait, bien sûr, elle était prof de maths, elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider à la maison. Donc il y avait une jeune femme qui venait tous les jours à la maison. C'était pas juste une femme de ménage, elle venait vraiment tout faire, s'occuper des enfants, de tout et tout et tout. Elle s'appelait Noara. Et puis, Jamila, elle était là souvent, quoi. Et donc moi j'avais demandé qui c'était. Et ma mère m'avait dit, ben maintenant, il y a 2 noirs. Et comme elle ne savait pas mentir, j'ai compris qu'il y avait un truc là. Voilà. Donc, c'est pour terminer comme la fin de l'histoire de Sadek. Voilà ce que moi, qui suis née en 54, j'ai compris et vu de cette histoire. Et bon, je ne parle pas plus de... Je parle pas plus de Sadek parce que ce qu'a dit Alain à la fin, c'était tellement bien qu'on ne peut pas dire mieux. Donc. Voilà.